Yo tout le monde, c'est AftersGamer49. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary sur Black Ops 2. Enfin, je suis pas en live, j'ai enregistré cette partie tout à l'heure. Et oui, j'ai recommencé à jouer à la PlayStation. Vous allez voir comment je me suis débrouillé. Parce que la première partie, à savoir, elle dure 3 minutes, hein, mais je savais pas. Je pensais que la vidéo allait durer environ 15 minutes, mais non. Mais dans la première partie, je joue comme une merde. Y a rien à redire. Je joue comme une merde, mais la deuxième, je me suis impressionné moi-même, vu que, bah, vous verrez, je me suis impressionné moi-même. Bon, pour parler un petit peu plus de cette partie, donc c'est sur Meltdown. Là, je joue actuellement en Ballista, mais je vais changer contre, si je me souviens bien, j'ai zappé le nom, ça fait tellement longtemps que je peux jouer à BO2 aussi, parce que là, je reprends juste, hein, donc, bon, j'avais fait deux ou trois parties les jours avant, mais bon, c'était vite fait. Donc là je joue au Ballista et ensuite je vais jouer j'ai zappé le nom, je suis désolé. J'ai zappé le nom. Bon, quand je le retrouverai, je vous le dirai. Donc là vous pouvez voir, je suis assez pourri. Mais je suis pas dernier, je crois, en plus. Autrement, pour parler un petit peu plus de ce qui va se passer normalement demain soir, donc là on est le 15, demain soir je ferai une vidéo spéciale sur DayZ. Oui, DayZ, je ne le possède pas encore, mais normalement demain je l'aurai grâce à mon ami qui va normalement me l'offrir. Attendez, je vais mettre son pseudo. Je le mettrai son pseudo maintenant parce qu'il voulait une petite dédicace. Je lui dis bah demain on fera une vidéo spéciale, mais bon, je vais quand même lui en faire une. Sosuya 5950, cette dédicace, elle est pour toi. Enfin, j'ai trop du mal à apprécier ton pseudo. Faudra que tu changes. Non, j'essaie de bien le prononcer un jour. Donc là, vous voyez, là je viens de changer contre la N94. J'en changerai plus tard pour l'arme que je sais plus le nom. Je crois que je vais le rechanger dans pas longtemps. Mais en plus, c'est la première arme que j'ai augmentée en or, mais je me rappelle plus du nom, ça me saoule. En plus, c'est. Ah, je me souviens plus du tout. Je suis désolé, les gens. Ah oui, non, c'est bon, je sais, c'est la PD. La PDW. La P. Si c'est ça, hein, PDW. Oh, je sais plus. On verra bien par la suite. Pour augmenter un petit peu mes caractéristiques. D'ailleurs, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas. Des vidéos prochainement arriveront pour des découvertes de jeux. Parce que là, je prévois de faire un petit test and play sur un jeu. Attendez. PDW 57. Oui, c'est ça. Nickel. Donc là, on vient de m'envoyer un message sur Skype. J'espère que vous avez pas entendu. Ça doit être. Je vais y regarder. Mais je vois vite fait. Oui, je sais. Oui. C'est Gadoux. Tu peux me donner le lien de ta chaîne? Oui, je le ferai juste après. Donc, pour ma petite dédicace à Gedux en même temps, je mettrai un lien de sa chaîne sur la vidéo. Comme ça, ce sera plus rapide. Alors, je me suis fait liker dans cette partie. On va arrêter de parler comme ça. Franchement, ça fait trop du bien de retourner sur PS3. C'est un truc de fou. Je me suis senti bien. D'ailleurs, dernièrement, j'ai un petit peu rejoué à la PlayStation. Pour vous dire, mais c'est bien fou de quitter un peu le PC, même si j'avoue, ça fait pas très longtemps que j'étais sur l'ordinateur, enfin que j'ai passé sur PC, mais j'ai v'là perdu l'habitude. Je jouais à la sensi maximum, maintenant je suis à 9 ou 10, pour vous dire à quel point c'est la catastrophe. Mais bon, j'espère simplement que je vais rattraper mon retard. Déjà, je voulais refaire des vidéos sur PlayStation, mais avec mon ordi portable, donc là de la 480p, désolé, mais j'ai que ça. Non, parce que là j'utilise qu'un écran pour que ça soit la play et mon PC fixe de gamer. J'essaierai de trouver un truc, parce que avec mon PC de gamer je pourrais vous faire du 1080p facile. Donc là on change de map, c'est sur Plaza, donc c'est indien MME. Ah oui, j'ai pas dit, c'était du match à mort par équipe, je parle très vite. Donc là je vais jouer à la PDW et c'est là que je me suis énormément impressionné, vous allez pouvoir le constater. Au sujet aussi de ma dernière vidéo que j'ai fait, c'est le vidéo concours, il n'y a pas eu énormément de participants déjà. J'avais 5 jeux à donner, j'en ai plus que 4 parce que j'ai offert une des clés à mon ami Sosuya. Ah, j'ai trop du mal, excuse, hein, mais voilà, j'ai, bon, je dirais Soso. On va appeler Soso, on va dire. Donc oui, donc j'ai donné une clé à Soso pour le. Bah, en fait, je lui avais donné plutôt une astuce parce qu'il avait. Je lui cherchais un moyen de faire un truc, hein, je vais pas le dire, c'est privé. J'ai réussi à lui dégoûter quelques trucs, du coup il m'a remercié, et puis après je lui dis, j'ai tout simplement donné une clé de Disneyland épidémique. Et en final il me reste plus que 4. Mais en tout cas il n'y a pas énormément de participants, ce qui me dégoûte un peu, donc je pense pas du tout faire de
Enfin, j'ai eu qu'un participant, mais je suis désolé, je me souviens plus trop de ton pseudo, je crois que c'est Napli, Naxpli, je sais plus trop. En tout cas, je sais que ça commence par un N. Ta participation, du coup, est. Si il n'y a pas plus de 10 participants, ça sera annulé. Mais j'espère vraiment faire gagner ces clés parce que je les ai inutilement. Je pense plutôt les donner à des amis qui veulent tout simplement les avoir pour éviter que ça fasse trop de tâches. Voilà. Si vous avez pu le voir dans cette vidéo, au début de la vidéo, j'ai mis une petite introduction que j'ai réalisée entre temps. Allez vite faire, hein, mais bah, c'est en attendant de récupérer Cinéma 4D et tout, tralala. Oui, c'est en attendant de les revoir pour faire une intro. Parce que je les ai plus parce que j'ai changé d'ordi et tout. Donc je vais les reprendre dans pas longtemps. Histoire de me refaire une belle petite intro parce que l'intro elle est très lente, je trouve. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, enfin à faire les personnages qui ressemblent à chacun de mes héros de jeux vidéo, on va dire. Parce que, attendez, enfin pas de jeux vidéo, il y a trop de choses, mais en dedans, bah déjà il y a moi. Il y a Dark Vador, il y a Link, Mario, Alice de Madness Return, que d'ailleurs je dois continuer le let's play. Ça, c'est, j'adore ce jeu, et d'ailleurs un bientôt nouveau let's play, je vous le dis, dès que j'aurai terminé Alice sur un let's play. Et puis il y a qui d'autre? Je voulais faire au début à Tsunemiko, donc j'aime beaucoup cette serendeuse, hein, on va pas se cracher. Donc c'est une, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la dubstep japonaise en fait. Et elle provient du groupe Vocaloid, donc c'est pas un vrai groupe, hein. C'est un groupe virtuel, on va dire. Voilà, vous verrez sur internet. Voilà, je voulais faire ça, sauf que j'arrivais pas à le faire. Après, je voulais faire. J'ai zappé son nom aussi, ça fait longtemps que je peux jouer. Assassin's Creed 3, enfin. Je suis désolé, je me souviens plus du nom. En plus, je lis sur PC, quelle honte. Non, mais parce que voilà. Donc, j'ai le héros d'Assassin's Creed 3 que j'ai essayé de faire, mais que j'ai pas réussi parce que la capuche, trop du mal. Puis voilà, sur le thème de la musique, Hold Me de UDK, je crois, un truc comme ça, je sais, non, pas UDK, moi je sais plus, mais c'est Hold Me, c'est de la dubstep, je crois, en plus. Franchement, j'adore cette musique. C'est un mec sur Twitch, enfin, un viewer, quand je faisais un de mes lives, parce que je fais des lives, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des lives sur Twitch. Donc, il y a un viewer sur Twitch qui m'a donné cette musique. Enfin, il a fait, je dis, tenez, les gens sur le live, dites-moi un titre de musique, je la mettrai en fond et tout. Le mec, il m'a dit ça, Hold Me, je crois que c'est Hold Me Heavy plutôt. C'est Hold Me Heavy de je sais plus qui. Alors, je l'ai mis vite fait sur le live, et puis j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai préféré la garder. En fait je parle pas du tout gameplay, mais bon, je crois que je vais m'en sortir un score avec plus de 20, ça c'est tout ce que je sais. Donc je joue toujours à la PDW, parce que faut croire que c'est la première arme et la dernière arme, c'est la première arme que j'ai testée sur Call of Duty Black Ops 2 et la première que j'ai vraiment aimé. On va pas dire vraiment que c'est la première arme que j'ai testée vu que ça devait être les bases, c'était pas la Vector, c'était l'autre là. Là, c'est qui moitié cheaté là. Enfin, je sais pas si elle est cheatée. Je sais plus du tout le nom et ça fait longtemps que j'ai pas joué. Du coup, j'ai zappé un peu tous les noms. Il reste combien de temps? Il reste. Ça doit faire 4 minutes 50 pour le gameplay, hein, mais ça fait pas la vidéo. J'ai beaucoup parlé. Enfin, je vais mettre quelques dédicaces. Tiens, je vais refaire la liste des dédicaces. Je veux dire, donc il y a Soso, donc Sosuya 5950, désolé de la prononciation de ton pseudo si je le dis mal. Je vais t'appeler Soso maintenant. Et Gadux, donc Kadux ou Gadux, je sais pas trop comment on prononce, faudrait que je lui demande. Parce que je l'ai aidé il y a pas très longtemps pour des problèmes qu'elle a posté sur sa chaîne. Vous verrez bien, j'ai mis. De toute façon, il y a le lien. Je pense que je vais arrêter ce commentary. En vous laissant sur le petit gameplay, il doit rester 3 minutes à peine, 2 minutes. J'espère que ce commentaire vous a plu, que ce retour en force sur la PlayStation 3 vous a plu également. Et j'espère que vous allez vous abonner parce que je bloque à 28 abonnés, j'espère au moins avoir une quarantaine, ce qui serait pas mal. Au bout de 50, je ferai une vidéo spéciale à 50 abonnés, spécialement sur un jeu dont je ne vous dirai pas le nom, parce que je ne le sais toujours pas, parce que je suis assez loin des 50. Bref, je vais arrêter de parler. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez.
Vous pouvez aller voir ma précédente vidéo qui est le concours. N'hésitez pas à participer. Tout est dans la vidéo de toute façon. Allez, merci d'avoir écouté. Encore une fois, je me répète, hein, excusez-moi. Sur ce, à la prochaine. Ciao, bye tout le monde. Allez, salut.